Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VII sur PlayStation 4. Donc écoutez, aujourd'hui on s'attaque à quelque chose qui est peut-être un peu haut level pour nous, on va voir ce que ça donne. L'avion submergé. Donc, voici l'avion type Jelnica de Shinra. Je me demande pourquoi il s'est posé ici. Ouais d'accord. Alors on va désactiver les combats, oui il y a un point de sauvegarde ici. On va pas prendre de risque. Alors il y a plusieurs éléments intéressants dans cet avion. Il y a une materia, l'attaque x2 je crois. Il y a également la dernière limite de Seed, au vent, entre autres. Par contre les mobs sont assez costauds. Nuage du paradis, qu'est-ce que c'est que ça? Les noms sont tellement bizarres parfois. Ah, une arme pour Cloud. Une arme assez puissante, mais qui enlève le lien des matérias. Je crois pas en avoir besoin de toute façon. Non. Bah écoutez, on va lui mettre. Hop. Par contre, il perd un petit peu en précision. Ah, il y a aussi une invocation Hadès. Très bien, j'avais oublié. Hop. Je peux fuir. Ah, bah j'ai la magie pour me barrer. Ah mais écoutez, on va voir hein, si c'est vraiment le viol. Je désactive les combats. On essaie de terrasser le boss. Et si ça passe pas, je reviendrai plus tard. C'est pour ça que je re-sauvegarde. Ah. Pour l'instant, je laisse les combats, je suis un thug. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça doit être une sorte de centre de recherche parce qu'il y a un générateur Mako. Putain, j'ai peur de fight. Hein. Parce que je crois que ça fait des altérations d'état de mort, enfin... Genre là, ça va m'enlever 3000 HP... Non, ça va. Mort, je pense qu'il est immunisé, bien sûr. Sinon, ce serait pas drôle. Ouais, ça... Ça m'est pas raté. Ça marche pas, c'est qu'il est immunisé. On va le sentir par curiosité. C'est pas ça qui est mortel là, son toucher de merde. Non, pas du tout. Je sais pas. Ah 3000 ! My god ! Niveau 52 ! Oh. Pourtant, en level, il est pas super élevé par rapport à nous non plus. Ok. Bon, on se fait vraiment malmener. Alors, les rubans, on en a un. Le pire, c'est que ça donne rien. Le mob, il est cheaté, il te donne que dalle, quoi. Alors, du coup, on a assaut maintenant. Alors, assaut, c'est pas forcément mieux, en fait, hein. Parce qu'on fait des dégâts et selon les circonstances, c'était pas mal d'avoir manip et voler par exemple. Ça permettait de voler tranquillement un mob. Élément, tristesse, non. Je veux pas que tu sois... Quoique, il me prend moins de dégâts normalement. Au pire, on va pas se faire chier pour récupérer ce qu'il y a dans cette salle. Hop, on désactive les combats. Galixir. Hop, garde d'escorte, qu'est-ce que c'est? C'est une armure. Une armure qui est moins efficace, mais qui me permet d'absorber la foudre, la terre, l'eau et le poison. Techniquement, c'est mieux que ça, déjà. Après, c'est pas les mêmes éléments, mais bon, hop. Et du coup, c'est Seed qui a un ruban. Ok. Alors apparemment si on transforme le serpent, il y a une chance d'avoir une source. Ouais non mais c'est tellement chiant de transformer les ennemis. Faut qu'il soit avec 0 HP et t'as une chance sur 3000 que ça passe. Alors attaque x2 ça par contre c'est assez cheaté. Ce qu'il faudrait c'est se débarrasser de ces deux matérias de merde. En plus, on est pas loin de s'en débarrasser, mais bon. Coup mortel, je pense que... Ah,
Ouais. Coup mortel, on va le mettre de côté. Je la montrerai plus tard. Attaque double, c'est tellement mieux. Du coup, je crois qu'il n'y a plus rien dans cette salle. Ok, très bien. On va sauvegarder. On réactive les combats. Et on va essayer d'aller chercher le reste. Tac. Mais coup mortel, si t'as la matéria opposition, je crois pas l'avoir. Et je comprends pas le combo des deux matérias là, Juzo. Opposition. C'est quoi opposition? C'est un truc bleu? J'ai pas opposition, hein. Je vois même pas quel matériel c'est en fait. Ah les copains, bonjour. Comment ça va? Encore? On n'arrête pas de se rencontrer ces derniers temps, on dirait. Il y avait des armes et des matériaux mises au point uniquement pour détruire ces féroces. Mais l'arme a attaqué cet avion. Et il a coulé à jamais. Je ne peux pas te donner ce qui se trouve ici. Nous allons nous charger de ces féroces. Je pense que c'est notre dernière rencontre. Ouais, ouais, ouais. Ah d'accord, donc c'est une contre-attaque en fait. Ok. Mais c'est pas la matériel contre-attaque. Oh punaise. Oh punaise, on va se faire péter la bouche. Oh my god. Et l'autre qui tire sur ses copains. Il se tire dessus. C'est préférable. Ah, c'est pourquoi j'ai pas fait régène sur tout le monde. J'ai pépé moi. Voilà, tant pis. Dragon. Assaut. Adon résistant, très bien. On peut le racketter maintenant. Enfin, le défoncer. Assaut sur Rude. Ah, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Putain! En plus, il fait attaque x2 sur les copains. Starba. Ils ont perdu régène, volé collier. Oh putain, il est chiant avec son bâton là, je sais pas trop ce qu'il nous fait. Salut Magide, bye bye. Putain, le mec s'auto-headshot. What the fuck. Bye bye Brian. Alors attends. Dans le futur, tu mettras opposition plus mimé, comme ça tu répètes ta dernière action à chaque contre. Ouais. Les coups mortels, c'est tellement imprécis. De toute façon, Mimi, je me rappelle plus, on le récupère. Ça, ça sera pour plus tard. Ouais, il se remet des MP, c'est intéressant. Alors, putain. Ça, par contre, c'est moins intéressant, Cloud. Si tu pouvais arrêter de faire le cacamou, là. Phoenix, on l'a jamais vu. On le lancera si les autres sont capotes. Je crois que ça nous heal en fait. Go attaquer normalement. Invoquer. Ah oui, mais c'est Vincent qui a les fortes invocations. Néo Bahamut. Alexandre, allez hop, c'est parti. Un petit peu long, on va l'accélérer un chouïa. Il est déjà bien stylé. Vous avez combien de PV les gars là? Allez,
Alexandre, c'est parti. Bon, ça on l'a déjà vu. Pourtant on leur fait mal, hein. Ces types sont des durs. Ah, ils se barrent pas en même temps. D'accord. Arrêtez-toi, monsieur. Juste parce que je t'aime pas, je te lance gel. Je ne dirai rien. Ah bah Phoenix plus attaque finale, oui, c'est un élément de base pour... Pour l'arme sous-marine, par exemple. Hop, comme ça, si tu te fais déglinguer, ce qui arrive obligatoirement, je crois, avec l'une de ces attaques. Ça te permet de revenir à la vie. Mais je sais pas si, du coup, lancer Phoenix quand tout le monde est en vie, est-ce que ça les régène ou pas du tout, ça, je me rappelle pas. Bref. Alors, avant de continuer, on désactive les combats. Hop, faudra qu'on achète quelques tentes, je pense. On va en recramer une, histoire d'être à l'aise. Ou pas. Hop. Hop, on enregistre. Ah, et on va aller chercher ce qui se cache dans la partie suivante. Allez, c'est parti. Hop. Ça doit être la salle des marchandises. Alors, opposition, tu vois, Juso, je crois qu'en fait, je l'avais jamais utilisé, hein, cette matière. Alors, je sais pas de quelle couleur elle est, mais il me semble que je m'en suis jamais vraiment servi. Et comme on la combine à une action ou à une magie, je pense que c'est une matière bleue. Ah, oulala. Ça, c'est le skin d'un boss qu'on a eu plus tôt dans le jeu. Ah, j'ai pas regardé les items lootés sur le boss. Bon, ça va, il fait pas trop mal non plus. C'est pas top. Hein. Alors, ce qui est chiant, c'est que c'est Cloud qui a sentir. Alors que c'est lui maintenant qui a x2. Faudrait inverser en fait. Scaphandre. Ça, on l'a déjà, ça. Si je dis pas de bêtises, on l'avait appris avec... On l'avait appris avec... Genova. Putain, les dégâts. Mais... ne donne rien, c'est des ennemis compliqués mais qui donnent 0 XP, 0 AP, c'est quoi le but? Bordel. Oh oh, pas mal ça. Hop. Et il y avait un autre élément, c'était collier je crois. Collier, par contre, c'est une armure. Ah, une armure efficace, mais qui ne permet pas d'équiper de la materia. Ce qui est relativement ballot. Bonne nuit helvétique. Méga elixir. J'ai envie de désactiver les fights. Hein. Je vais me faire rect, je le sens. Donc on voit qu'il y a Hades en bas. Lance spirituelle. Elle est efficace, mais m'oblige à me passer d'une matéria. Ce qui n'est pas intéressant à l'heure actuelle, je trouve. Ça aussi, les matérias jaune caca, là, vivement qu'on puisse s'en débarrasser. Attends, trans ? Non, je voulais mettre...
Attends, j'ai bugué. Je voulais surtout lui mettre sentir en fait. What the fuck, man? Attends pour moi. Sentir qu'on va bientôt dupliquer. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. C'est terrible. Tout est en désordre. Ouais, ouais, ouais. Hades. Alors on m'avait dit, je crois que l'équiper en effet supplémentaire... Ah, je crois pas que ça... Attends, ou en défense, je sais plus si ça donne mort ou autre. De toute façon, pour l'instant, on peut pas trop l'équiper à moins de sacrifier HP max, mais... Ils en ont tellement besoin maintenant. Ah, Hades, tu vas attendre, je pense. Bientôt Ultima. Ouais, tu vas attendre un peu. Je te le dis, moi. Ouais, ouais, ouais. Oh putain, un ennemi relou. Oh my god, ça sent le DLC. C'est pas sur les trois, hein. Je crois que si. Non, que sur lui. Très bien, c'est le plus caca, c'est pas grave. Bah, il est mort, je crois, non. Vas-y, raté. Il a rien pu voler. Putain, les dégâts! Mais j'en peux plus de... Oh. C'est n'importe quoi. Mais stop être cheaté. SV please. Bracelet Aurore. Je sais pas si ça craint un ré cette merde. Allez, on tente le masque infernal, RIP si ça nous tue. Par contre, elle fait pas beaucoup de dégâts, hein, sa limite, hein, je trouve. Après, elle est bien parce qu'elle permet de récupérer des MP, mais... Pourquoi mon Vincent a si peu d'HP? Parce qu'il a toutes les matérias. Toutes les magies puissantes et il a plein d'invocations. Du coup, ça lui enlève tellement d'HP. C'est n'importe quoi. Cauchemar, il va être immunisé. Ah non, il s'est endormi, très bien. Autant pour moi. Raté. Tentacule. Oh, j'en peux plus de ces dégâts. De toute façon, on l'avait... Oh non! De toute façon, je suis immunisé, non? Sous cette forme. Ouais. Salut Maxence. Welcome. Super HP. Ah, ces HP vont prendre encore 10%. Il a repassé la barre des 2000. Alléluia. Ah, parce qu'en fait, j'ai pour but, même si je sais pas si je le ferai finalement, d'augmenter toutes les matérias au niveau maître pour les dupliquer en méga matérias. Du coup, il a tous les malus d'HP max. Putain, Néobahamut qui enlève 10%. Après ça, on l'enlèvera, par exemple. Quand elle sera à fond... Regarde, tu combines tout, là, il a plusieurs matériaux qui lui enlèvent 10%, donc ça descend très vite. Hein. Attends, garde d'escorte. C'est normal, je trouve que c'est bien lent. Au vent, ouais. Outsider, qu'est-ce que c'est? Un gun. Il est pas encore prêt, oulala. Faut qu'il prenne sa limite niveau 3. Et Outsider, on a dit que c'était un gun pour Vincent. Oh, pas mal du tout. Pas mal du tout, par contre, ouais. On peut augmenter l'efficacité de sa magie. Salut Théo. C'est Aurélie.
Quoi? Vous avez le même compte. Oh my god. T'as raté quoi? T'as raté un épisode? Mais rien d'extraordinaire. Du coup, qu'est-ce qu'on peut lui mettre à lui, là, histoire qu'il soit moins dans le caca? Parce que là, si je lui mets Hades, il va être en PLS, hein. Putain. À moins de lui enlever l'immateria caca. Comme Kujata. Qu'on va peut-être passer ici. Toi, je te remets le volet. Ça. Tac. Après, techniquement, faudrait rééquiper coup mortel, mais bon. Au pire, on le farmera en fin de game, c'est pas très important. Là, pour l'instant, je préfère commencer à privilégier les bonnes combinaisons histoire de gagner en efficacité. Sentir à Cloud. Je l'ai pas mis à acide? Putain, je m'emmêle moi-même les pinceaux, j'ai JPP. Ah, qui c'est qui a sentir? Non, sentir maintenant c'est Vincent. C'est ça, c'était sur Seed et je viens de le mettre sur Vincent. Oui, non, parce que j'ai déjà fait tout à l'heure, je m'étais dit que comme Cloud, c'est celui qui fait les dégâts au corps à corps. Qui fait des dégâts très rapidement, très rapidement, oui, tout simplement. Autant lui enlever les autres choses potentiellement intéressantes. Assaut. On régène à tout le monde. Assaut. Ça, c'est 6000, hein, ça fait le taf. Hein. Mimi, je sais plus, c'est pas quand tu retournes en bas. Explosion. Oh my god. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fake forte attaque. Mimi, c'est pas quand tu retournes à Midgar? Avec élément W? C'est pas dans la même... La même séquence? Pourquoi il attaque Vincent, lui? Espèce de cacamou. Niveau 50... Stop, faire ton explosion. Cloud. On va lui donner un petit coup de main. C'est ça qui est chiant là, par exemple, je peux plus le voler vu que j'ai assaut. Si je lui fais, il meurt. Alors que là, je vais essayer de le transformer. Et du coup, on m'avait dit c'est l'espèce de serpent qui donne une source, potentiellement, si je le transforme. C'est râpé. Source de pouvoir. Ah, bah avec lui aussi, ça marche. Parfait. Merci, Maxence. Non, c'est pas Midgar, nous dit Matt, pour Mimi. Ouais, je m'en rappelle plus. Mais je crois pas qu'on puisse le rater, hein. Alors du coup, si les mobs donnent des sources, c'est peut-être pas plus mal de farmer ici. Après, bon, on va pas le faire davantage, là. Du coup, pour l'épisode, là, je sais pas si j'enchaîne sur autre chose. Je pense pas. C'est pas plus mal d'avoir fait un épisode spécial. Spécial avion, je pense. Ok, voilà. On a tout récupéré. Du coup, je conclue l'épisode là-dessus. Donc... Ah non, attendez. Tant que j'y pense, on va retourner à Wutai, ce sera fait. On va aussi récupérer la limite de... Ah. De Vincent, si possible. Tac, en x3, merci. Ok, Maxence. Bah alors, Wutai, dans la version originale, il n'y avait pas de W, Spike. Hein. J'ai vérifié. C'est bien ce qui me semblait. Chocobo vert requis. Ah oui, ça fait partie des trucs, d'accord. Ok, Juzo. Alors du coup, je commence à me demander, est-ce que je pourrais pas commencer quand même à m'intéresser au chocobo?
Non, c'est pas là. Pourquoi pas faire ça en fin de live? Commencer à capturer les chocobos nécessaires. Je sais pas si on a fait les 10 combats, Matt, j'ai pas compté. Si on les a pas fait, bah écoute, on fera un aller-retour que j'espère... qui sera coupé au montage? Non. Hop, on va voir ça tout de suite. Ah, j'ai peut-être pas fait les 10 combats, en effet. Comme les combats sont ardus, j'ai pas dû les enchaîner. En effet. Putain, c'est chiant. On va aller farmer sur... vers Junon, hein. Ça sera plus simple. On va même se balader à la surface pour éviter l'arme. Tac, 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 c'est par où? Hop, 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 hop. C'est par là, normalement. Très bien. Ah, parce que alors les chocobos, faudrait que je vérifie de mon côté, mais vous inquiétez pas, vous cassez pas la tête à me donner l'info tout de suite, ça servira à rien. Ah, je sais qu'il faut des grands chocobos au niveau de la zone glacée. Ah, je sais plus. Je sais plus si les premiers chocobos de base, c'est des chocobos random. Hop. Parce qu'en plus, il faut de la monnaie pour acheter les légumes. Donc à la limite, c'est mieux de le faire en fin de jeu, mais pour pas trop galérer, c'est quand même bien d'attaquer avant pour récupérer toutes les matérias utiles. Ah, donc c'est assez pénible, en effet. Ah, Messenger. Hop, voilà, ça c'est fait. J'ai pas compté, hein. Je sais pas où j'en suis, on va en faire quelques-uns par précaution. Qu'on faire l'arme rubis, ça te file le chocobo d'or. Ah mais le problème c'est que si t'as fait l'arme rubis, c'est que t'es capable de finir le jeu, donc... pas d'intérêt d'avoir ça à la toute fin. C'est pour ça que même si c'est chiant, c'est mieux de farmer un peu avant. De faire ce qu'il faut pour récupérer tout ça. Ah, pou. Ouais, donc les chocobos, faut que j'aille en choper et que ce soit des magnifiques, c'est ça? C'est ce que me dit Spike. Donc ensuite, les magnifiques, faut les up au rang max au niveau des courses. Aller faire s'accoupler avec la bonne noix, qui doit être la noix qu'on récupère à côté du village où on peut faire les fouilles archéologiques. Il faut que ça donne un chocobo vert mâle et un chocobo femelle... Non, vert et bleu. Qu'on puisse les accoupler pour avoir le noir. Après, c'est pas si chiant que ça, il me semble. Hein. La technique de K6. Je la connais pas. Qu'est-ce que c'est? Salut Fiasco, The Wolf Among Us 2 annoncé. Voilà. C'est tout pour moi. Non, mais s'ils font un truc cool, why not? Mais s'ils font de la grosse chiasse, non merci. Je me demande si c'est pas dangereux de faire ce que je fais de s'immerger sous l'eau. Loin de Junon, parce que tu peux... Je sais pas si tu peux tomber directement sur l'arme, en fait. Ah, la limite de K6 qui one-shot. Ah, avec la roulette, tu veux dire? Il doit y avoir... oui. Enfin, il y a toujours eu ça dans les Final Fantasy. Dans le 8, il y avait aussi ça avec Selfie, qui avait Easy Hand. Ah, Lucretia? Peine de mort. Chaos. Ah, il y a aussi... son arme. Alors, si je me souviens bien, les armes ultimes sont puissantes, mais... voilà. Aucune. Donc en gros, si on équipe ces armes-là, les matérias ne up plus. Ce qui est assez caca. Sauf en fin de game, quand tout le monde a toutes ces matérias à fond. Mais du coup, attendez. Hey, hey, hey.
chaos, on peut le mettre. Hein. Ouais. Je l'ai jamais vu, je crois. Oh my god. J'ai peut-être dû l'avoir une fois il y a 120 ans, je m'en rappelle plus. Hop. Qu'est-ce qui se passe, Fierco? Qu'est-ce pas ça? Oui, Zanmato dans FF10. Pour tuer les ennemis en un coup. Dans FF9, il devait y avoir un truc similaire, mais je sais plus. Bah après, je crois qu'il l'a enlevé, ça. Hein. Parce que j'ai pas souvenir dans FF13. Non, non, là, je retourne vers la clé, mais what the fuck. Voilà, je regarde le chat. T'avais pas aimé la saison 1? Si, le problème, c'est pas de pas avoir aimé la saison 1. Le problème, c'est qu'en ce moment, Telltale Games font que de la merde. À tous les niveaux. Donc, voilà. C'est pour se faire chier sur la gueule. Ils peuvent se le garder, leur jeu. Tac. Parce qu'il y a aussi Batman saison 2, mais ça mangeait pas du tout. T'as eu aussi Minecraft... saison 2, enfin voilà, c'est... Voilà. Donc c'est bon. Chaos, c'est fait. La saison 3 de The Walking Dead était caca. C'était pas la saison 3, c'était un spin-off en fait. La vraie saison 3 était annoncée également. La saison finale The Walking Dead. Centrée sur Clémentine normalement, donc j'attends de voir. Alors attends, avant... Ah oui, je voulais aller à Wutai récupérer... Avant de quitter. Je voulais récupérer ce qu'on pouvait récupérer avec les cailles. Si je dis pas de bêtises. Alors attendez, c'est une matéria ou c'est un élément? Ok, je crois que c'est ça. Hop. Comme ça, j'aurais rediffusé tout ce qu'on peut récupérer. Tac, tac, tac. Hop. Après, tant que je vous tiens là sur le live, de mémoire, est-ce que vous vous rappelez où est-ce qu'on a le plus de chances d'avoir des chocobos magnifiques? Ou est-ce que c'est random? Parce que je sais que les grands chocobos, c'est... C'est dans le nord, dans les pays arctiques, là. Ah, il fait très froid. Ah! Pourquoi j'ai pas récupéré ça avant? What the fuck? Parce que du coup, concrètement, maintenant, je peux équiper talent de l'ennemi en permanence, en fait. Hein. Genre, lui, je vais lui enlever... Je vais lui enlever Alexandre, hein. Je vais lui mettre talent de l'ennemi. Comme ça, ça équilibre un peu. Sentir, non, c'était au coup mortel que je devais rééquiper. Voilà. Alors, on est mieux avec ça. Hop. Ori, machin. C'est quoi, c'est une arme pour... Ouais, c'est une arme pour Yuffie. Un tel game sur pas de patrouille, je ne crois pas. C'est à parler de Minecraft. Bah écoute, c'est quand même ce qui est le plus regardé sur ma chaîne, donc bon, faut pas non plus que je crache trop sur la soupe, mon cher. C'est d'ailleurs la seule chose qui me rapporte de l'argent sur YouTube. Hein. Clairement. Mes parents en avaient marre. Lol. Y'a pas d'endroit pour les magnifiques. Ok, Juzo, c'est bien ce qui me semblait de mémoire. Vol simultané. Alors du coup, dans mes souvenirs, c'était pas ça qu'on récupérait. Donc j'ai une bêtise, mais ça veut dire que si je mets ça sur une magie offensive, peu importe laquelle, en gros, ça vole en même temps. D'où le nom vol simultané. Après, à terme, pourquoi pas l'équiper sur cette magie-là ou sur Ultima. D'ailleurs, Ultima, faudrait que je regarde combien elle coûte. On pourra bientôt l'utiliser. Alors qu'est-ce qu'on... Attendez, parce que je me rappelle qu'il y a Canyon Cosmo, il y a une matéria qu'on récupère dans une des boutiques. Et je me souviens pas ce que c'est du coup. Avant de conclure l'épisode, on va checker ça vite fait. Du coup, ça se trouve, ça fait un épisode à rallonge, mais bon. C'est pas grave. Au revoir, Fiasco. Merci d'être passé, d'avoir cramé ta 4G pour moi. Ah, du coup, Canyon Cosmo vite fait. Canyon Cosmo, c'est de l'autre côté.
Attends, c'est de l'autre côté ou pas? Je suis perdu. Mais non, c'est pas de l'autre côté. My God. Tac. Ça aussi, il faudra qu'on revienne. Je crois pas qu'on puisse aller en au vent, ouais. Je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Une espèce de forêt bizarre, là. Hop, hop, hop. Alors, ça se trouve, c'est dans le dernier CD qu'on y a accès. Hein. C'est peut-être pas tout de suite. Hop. On va checker là-dedans, vite fait, quand même. Ah si, on y a accès. Guérison max. Ah, d'accord. Il me semble que c'est de la chiasse, hein. Genre, ça redonne tous les HP, mais c'est un truc qui va te consommer beaucoup trop de MP. Oh, oh là là. Faudra qu'on les pique quand même. Bah, ça attendra un petit peu, hein, qu'on se débarrasse. Je sais pas. Je sais pas. Du coup, bah écoutez, on a plus ou moins récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer tout de suite, hein, je pense. Ah, donc voilà, je conclue l'épisode là-dessus, donc je vous dis merci d'avoir regardé, et à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao.